Voilà, sixième jour de confinement. Bonjour à tous. Je suis bloqué ici sur la plage. Bonjour. Alors, moi je suis triste de ce qui se passe, mais assez heureux pour, dans certains domaines. C'est que ce confinement de tout le monde fait qu'il n'y a plus d'activité de voitures, d'usines, etc. qui polluent la planète et en fait c'est une bonne chose pour la planète ce qui se passe. Donc voyons tout ce qui est positif. Confinement veut dire on retrouve des nouvelles activités, on retrouve l'amour de sa famille, on retrouve des valeurs qui n'existaient plus dans ce mouvement qu'on n'arrivait pas à arrêter. Et je dirais merci, quoi. Merci à ce virus qui va disparaître. On va vite comprendre qu'il y a des médicaments et que la chloroquine dont je parle depuis un mois va être acceptée. Donc, ils veulent aussi masquer que l'économie va mal, donc ils veulent trouver une excuse. Du problème de l'économie qui va être l'excuse, ça a été le virus qui a fait que toute activité a dû être arrêtée. Sachez que j'ai des amis qui ont des hôtels, etc., qui ont des activités commerciales, qui vont devoir arrêter à 100% leur activité. Manque de clients, ils bloquent les stations de ski par exemple, à la montagne, ils bloquent le commerce. Alors c'est dur à la fois, mais ça devait arriver. Moi, si j'ai trouvé un endroit au bord de la mer et un endroit à côté de Paris, j'ai un chalet près de la campagne où il y a des fermes, où il y a des alimentations biologiques, c'est que je sentais les choses arriver. À Paris, ça va être dur de cultiver, donc on est toujours dépendant des camions et du commerce. On faisait venir des légumes du monde entier par avion, etc., qui polluaient la planète. Donc, des choses qui paraissaient utopiques quand je disais utiliser les hauts des toits des ponts de Paris, mettez de la terre cultivée, ça voulait dire que ça arrivait, quoi. Et ça m'a été capté tout de suite. Et comprenez que bon, ça va peut-être se redresser, mais avec cet acquis qui est attention. On a été trop loin. Et là, Dieu actuellement nous fait comprendre. Je voulais dire un grand merci à Rémi Bourneauville pour ce qu'il fait. On a beau être confiné, il continue de son côté à communiquer. Il a communiqué mon 71e acte qui s'est passé ici pour représenter les Gilets jaunes. Même si j'étais tout seul et que j'ai eu un affrontement avec la police. Qui m'arrêtait parce que en fait j'avais un papier pour aller faire des courses, mais pour eux il faut aller faire des courses le plus proche de chez soi, donc de faire cet écart par la mer, j'étais en faute. Alors je sais pas si j'ai eu 35€ ou 135€ d'amende parce que je n'ai pas accepté l'amende, et j'ai dit on verra bien. Donc il faut plutôt se révolter à ça. Le virus il n'est pas dans l'air comme ils disent. Et chez certains individus, ceux qui meurent, ceux qui ont des problèmes, c'est souvent des personnes âgées qui ont des problèmes respiratoires. Et cette maladie qui n'a pas encore de médicaments fait que les gens sensibles partent. Sachez que dans les hôpitaux, depuis des années, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de matériel respiratoire. Et depuis des années, ils débranchent des personnes âgées pour une personne plus jeune ou même pire que ça. C'est des secrets professionnels qui ne disent pas aux urgences, etc. J'ai eu un frère qui travaillait là-bas qui a osé me dire certaines choses et je me permets de le dire aujourd'hui parce que ça commence à être dévoilé. Macron a voulu privatiser les hôpitaux. Voilà, bravo. Bravo, c'est-à-dire faire comme aux États-Unis. Il y a des gens qui n'ont pas de protection sociale aux États-Unis qui, pour le coronavirus, doivent payer $35,000 pour rentrer à l'hôpital et de se faire soigner. Nous, on se plaint beaucoup, mais c'est vrai qu'en France, on a une sacrée protection sociale.
arrêter de vous plaindre et aussi arrêter de surconsommer en médicaments, on peut s'en sortir. Le virus, c'est l'être humain, c'est ce que je disais. L'être humain est un virus depuis le départ et de sortir, pour expliquer l'antivirus, c'est je disais tout à l'heure, antivirus, je disais coronavirus ou coronavictus, la couronne de la victoire, c'est de passer au-dessus de l'énergie de l'être humain, donc redevenir spirituel, comme à une époque qui a été bafouée car elle n'était pas rentable. Donc la surconsommation est liée au démon, consommation et destruction. Donc sortons de tout ça, revenons à l'essentiel comme on le fait aujourd'hui. Et amusez-vous et comprenez que ce confinement c'est passager, il va se passer un truc, on va nous annoncer quelque chose. Vous savez que l'eau c'est le meilleur médicament pour tout, surtout de l'eau de mer. Là c'est une eau assez pure. Ils nous disent pas depuis des années qu'on peut soigner des tas de choses avec l'eau, même la boire. C'est une eau vraiment magique ici. L'eau peut sauver des gens, une eau de mer, c'est comme du sang, on peut à la place du sang aux êtres humains. De mer et ça marche, mais comme il y a eu tout un business avec le sang, bah, ils n'en ont pas parlé. Voilà. Faites des vidéos de votre confinement. On fait plus de manifs, mais vous pouvez montrer votre vie, votre intérieur, vos occupations. Ça peut être sympa. Sixième jour de confinement. L'antivirus, c'est de manger donné. C'est ce que je fais. Donner aux gens. Ici ou à Paris. Tout le monde a besoin de manger. Et vous le rendez bien, c'est tellement beau.